beaucoup d'être ici aujourd'hui. Et wow! Welcome to the National Training Camp of Tudor Canada. Bienvenue au camp d'entraînement national pour le kata de Judo Canada. Pour resituer un petit peu les règles, c'est pour les compétiteurs. Parce que souvent les compétiteurs ne connaissent pas correctement le règlement. Et puis, c'est bien de jouer, mais il faut connaître les règles quand on veut jouer. Alors on a dit hier que le kata est le même. Il n'y a pas de souci, le kata est le même pour tout le monde. Par contre, on a bien précisé que l'évaluation était différente. Donc là, on va repréciser quelque chose. Je n'ai pas mis tout le règlement. Vous allez voir comment je vous ai précisé. L'année dernière, on avait fait une présentation des grosses fautes, des moyennes, etc. Là, je vous ai fait quelque chose d'un peu différent. C'est sur le déroulé d'une séquence, comment on doit l'imaginer. So, as we spoke about in the last 2 days, the kata is the kata. However, how kata is evaluated does have rules. And Sensei Andre has noticed that even though people may be practicing kata, presenting kata at a high level, he's sometimes surprised that the knowledge of the rules upon which we should be operating for competition are not always understood. So that's what's part of the presentation this morning. Unlike last year, where we went through the big mistakes, the medium mistakes, the small mistakes, that's not the focus. This year for his presentation, it's sort of how the kata rolls out. So that's going to be the focus of the PowerPoint that Sensei Andre has for us this morning. L'autre intérêt, c'est que du coup les compétiteurs, moi je ne veux plus entendre chez moi, enfin je l'entends plus, ouais mais ils ne connaissent rien en face, en parlant des juges. Sensei Andre says he hears this, souvent, he really dislikes it, he wants none of it said this weekend, which is the by competitors to say, oh the judges, they don't know anything. Même si des fois c'est vrai. Sometimes it's true. Company je suis juge aussi. Je ne suis pas que coach, je suis juge aussi. Je peux le dire, je peux le dire. He's allowed to say it. Okay. Allez, venez. La première chose que je veux. Alors, je l'ai fait en anglais. Oh, oui. Hey, guys, look, the written part's in English. That means I don't have to translate. Là, si, quand même. Mais il va falloir que je fasse un effort. Quand même. Si je viens vous voir régulièrement, souvent je vous comprends, mais je ne sais pas, je n'ai pas les mots pour répondre. Donc là, j'ai essayé de le faire, mais I hope the words used are correct. Peut-être que ce n'est pas bon. Peut-être que ce n'est pas bon. Maybe it isn't right. Bon, vous me direz, vous me direz. De toute façon, je l'ai donné à vos responsables. Vous pourrez, si vous voulez, retravailler avec. La première chose qui me semble importante à avoir en tête pour tout le monde, parce que vous êtes des ambassadeurs du kata, et souvent, on veut faire du kata sportif une chapelle. Ça, je suis contre. OK, so, we are all ambassadors for judo and for kata, and sometimes he feels that people are treating kata sport in a very special fashion, which he does not believe is the approach to take. Alors, c'est bien sûr c'est des mots, mais pour moi le kata compétition n'existe pas. Par contre, les compétitions de kata existent. So, from his perspective, competitive kata doesn't exist. Rather, competitions in kata do exist. Ouais. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'autrement, on pourrait dire, il y a le kata grade, il y a le kata formation, il y a le kata compétition, il y a le kata, puis au final, il y a 50 000 kata, quoi. So the reason why he says this is because if we take that approach, then there's kata, grading kata, there's technique kata, there's competition kata, there's this kind of kata, and it is so many different kinds of kata, but that's not really the case. Alors que notre but, c'est de faire des prestations, de belles prestations qui démontrent les principes. But our intention and our goal should be to present, to do a kata presentation
at the highest level possible. Alors, best quality. Donc, je vous ai mis, quelle est la différence fondamentale? Dans les grades, on va évaluer essentiellement un kata. Et j'ai mis évaluation parce que pour moi, ça c'est important. En compétition, on juge. En grade, on évalue. Dans le mot évaluation, il y a le mot valeur. Donc en fait, quand on fait le grade, on met en valeur les gens. Et on dit, est-ce que c'est une évaluation globale du kata? Et est-ce que c'est une évaluation de la valeur? Et puis à la fin, c'est oui, non. Mais on met en valeur les gens. Alors que dans le kata compétition, enfin dans la compétition kata, on n'est pas évaluateur. Je sais bien que c'est du terme, hein, est-ce que le français se prend la tête ou est-ce que je me prends trop la tête, mais on n'est pas évaluateur, on est juge. Et quand il y a juge, il y a sanction. Parce que là, ce n'est pas oui, non, c'est premier, deuxième, troisième. On est obligé d'avoir une évaluation, bien sûr, mais cette évaluation, elle doit être sur chaque technique, alors que là, l'évaluation, elle est globale sur l'ensemble du kata. So on the this slide here, since Andreas presented some of the differences between when we present kata for grading versus when we present kata in a kata competition. In terms of grading or rank, what we're doing is evaluating one judoka. And in the word evaluation is the word value. So we're putting the judoka in, you know, we're validating, they're being given a value, but the value is a value of appreciation. We appreciate the kata, it's a pass, it's not a pass, yes or no. And the reference system will be our national or, yeah, like generally our national system, right? That's our national grading syllabus, etc. When we talk about a kata competition, we no longer talk about value or evaluation, we talk about judges. Judges judge. And when you have a judge, it also means there's likely a sanction. And what's the sanction in judo? It's deduction. So we're coming up with a score. And the purpose of that score is to then rank the people who are presenting kata. And the reference is the IJF rules. Yeah. Mais c'est bon pour tout le monde. C'est pour ça que hier, on a parlé de standards. So yesterday we were talking about standards, ouais. Norms. Notamment sur le sasai, soit ça, yes. Soit... And we have spoken about the sasai tsurukamiyashi in nagino kata. So what is the international standard for the end? What are your steps? And one of them, one of those two is a minus three. Ok. C'est bon pour tout le monde? Oui. Alors, on a un modèle d'évaluation au départ. Vous savez que chaque technique a 10 points. Each technique has 10 points. And points are removed according with the mistake. Quand c'est des techniques oubliées, c'est 10 points. Vous connaissez ça, hein, je pense tous. Donc on va aller très vite. Quand c'est des big mistakes, c'est 5 points. Middle mistake, 3 points. Et imperfection, 1 point. Et on a droit à 2 imperfections. So everyone knows that a forgotten technique, you lose all 10 points. Every technique, there's 10 points. The large mistakes are 5, the medium mistakes are 3, the small mistakes are 1, and we can score 2 small mistakes. Et après, il y a bien sûr une pondération de 0,5 points. There's also an adjustment value of plus or minus. Un juge n'a pas le droit de cocher une grosse faute s'il n'est pas spécifié dans le règlement. Si on ne l'a pas vu, si on n'a pas vu la faute dans le règlement, on n'a pas le droit de mettre. A judge is not permitted to score a big mistake unless the big mistake is specified in the IJF rules. D'accord. Pour avoir un 5, une note de 5, ça serait s'il n'y a pas de grosse faute, 3 plus 2. The only way to get to a 5 without a big mistake is a medium and 2 small. Maintenant, imaginons que le juge voit une faute à 5. Enfin, une grosse faute. Moi, quand j'ai, parce que je reçois énormément de vidéos, énormément de notes, comme Daniel, quand je vois une croix uniquement dans le 5, je me dis, tiens, le juge, il n'a pas tout compris. So, Andre sees a lot of video and a lot of scoring of video, and when he sees
a only cross. One X in the box of a major mistake. Sorry, I have a big mistake. Right. I corrected myself, big mistake. So a minus five, only big mistake. He says the judge missed something, didn't get it right. Parce que s'il y a une grosse faute, le déroulé de la séquence n'a pas pu être bon. Because if there is a big mistake, the sort of progression and the, you know, of the technique has to have been affected. Other things are affected. Et s'il n'y avait, pas eu cette faute-là, l'athlète aurait 10. And that means that without that big mistake, the technique would have scored 10. Or le 10, c'est le Graal pour tout le monde, et il n'y en a pas. And there's simply no 10. Il n'y en a pas, même aux champions du monde. The Holy Grail, he says, even at the World Championships. Là où on en voit vraiment, alors je m'excuse, c'est soit des Sénégalais. So you see 10? Avec les Japonais, parce que c'est beau, donc il y a 10. Il y a mis 9, il y a mis 9. So maybe the Senegal judge gives a 10 to the Japanese. Ou alors c'est dans le salut du judo, parce que c'est... Voilà, c'est tellement, si c'est bien fait, que ça dégage quelque chose, voilà. Mais en dehors de ça, on ne voit pas 10. Or a Juno kata bow and enter. That can be really beautiful, maybe would score a 10. But those are the only two scenarios he thinks, even on the international stage, a 10 would ever be scored for anything. Bien. Quand j'analyse des notes où il y a uniquement une faute, enfin, une croix dans le 7. So, enfin, un set sec, c'est-à-dire que j'ai une croix middle. Okay. So when he sees evaluations where there's one X and it's in a medium mistake, c'est un petit peu, l'analyse est un peu différente. The analysis is then a little different. Parce que logiquement, s'il y a une faute à 3, logically, if there's a 3 deduction error, il doit y avoir une pondération ou une imperfection quelque part. There's probably an imperfection somewhere also. Parce qu'autrement, il aurait 10. Because otherwise, he'd have 10. Ok. They'd have 10. Mais pour autant, ça existe quand même dans les faits, pas sur le papier. Là, j'ai le patron, je fais attention. Oui. Yeah, it might exist actually in fact. Parce que quand il y a plein d'imperfections, ou alors quand c'est borderline avec la middle, il faut arriver à un moment, on a notre sensation, il faut départager un peu les gens. Il est communément admis chez les juges qu'une sommation de plein de petits trucs peut donner un set sec. Okay. So, even though Danielle may or may not be okay with this, amongst judges, there's a general understanding that a whole bunch of imperfections for which we might give, you know, minus one, could result in a minus three deduction, a one medium deduction. C'est pour ça que quand un athlète vient me voir avec ses notes, que moi je vois avec un 7, je ne vais pas tout de suite forcément essayer d'aller voir s'il y a une faute moyenne. Parce que je me dis, si le juge a correctement fait son travail, j'ai déjà les autres notes à aller voir avant d'aller gratter là derrière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas aller voir, mais ce n'est pas forcément une faute moyenne. Une faute moyenne, c'est 6,5, 6, parce qu'il y aura forcément quelque chose à côté. So, if he's presented with a score of 7 and a video or a question by a student, he's not necessarily, and he sees this, you know, minus 3 only, he's not necessarily looking at the video for that one medium error, because he's going to understand that if there was actually one medium error, likely the score will be 6.5, maybe 6, because it's going to exist around imperfections. Ouais, voyez à peu près, c'est une gymnastique hein, pour le juge. He calls it judging gymnastics. Bien, alors, juste une question. Alors, c'est pas possible d'avoir une note de 7. Pardon? De la façon que vous l'expliquez, oui, ce serait possible d'avoir une note de 7. Si c'est possible d'avoir une note de 7, c'est une sommation de plein de petits trucs. Ok, ok, je suis d'accord. Mais si on c'est pas dans le règlement, si mais. Si on n'accepte pas le principe, on aurait deux petites fautes, ça donnerait 8, ou on aurait 6,5 ou 6. Vous pourriez avoir 7,5 éventuellement avec deux imperfections et une pondération négative. Mais à très haut niveau, le problème, c'est qu'à très haut niveau, maintenant, ils sont tellement à se tenir que c'est comme ça. Ouais,
Il peut ne pas avoir d'erreur moyenne selon le règlement, mais avoir trois ou quatre imperfections. C'est ce que je suis en train de dire. Qui t'emmène à te mettre une note. Ça donne un médium. Par contre, ce système-là, enfin, cette façon de penser-là n'existe pas pour la grosse faute. C'est pas parce que vous avez quatre fautes moyennes que vous allez taper une croix à 5. Ça, la croix à 5, il faut qu'il y ait. Là, si vous avez le juge qui vous. Superviseur. Si vous avez le superviseur qui vient, qui dit hey, tu peux m'expliquer ça, bah, vous avez intérêt d'être droit dans vos bottes. Hein. Vous ne pouvez pas mettre un 5 s'il n'y a pas une faute, une grosse faute. So the question that Sensei Jacques asked was, so really there should not be a score of simply a -3. A 7 should not exist. And Andre's answer was, yes, it can, because judges will actually, if there are small mistakes, an accumulation of them, just score the 3 deduction and leave it at that. However, the same logic does not apply for the 5 deduction because you must see a big error in order, a big mistake in order to score the -5. You can't say, oh, I saw a bunch of medium ones, I'm going to score a -5. Okay. Alors, quelles sont les étapes pour moi de l'évaluation? So here are the evaluation steps. On n'a pas de préjugés, bien sûr. On va observer le déroulement de la séquence. So we're going to observe how the sequence unfolds. On va avoir une première perception. We get a perception. Le jugement global. Et ce jugement global va dépendre, en fait, si quand on connaît bien le règlement, de la note, enfin, de la faute, le score maximum va dépendre de la faute la plus haute. So c'est-à-dire que vous pouvez voir plein de fautes, mais si la plus haute, elle est à 7, elle est à 3, vous savez, de toute façon, vous ne pouvez pas aller au-dessus de 7. S'il y a une grosse faute, vous ne pouvez pas aller au-dessus de 5, etc. Ça vous donne le niveau max. Hein? Ça, c'est votre première perception. Global evaluation is going to be very much determined by what is the biggest error. Because you know if your biggest error is a medium, you're not going to score higher than 7 for that technique. Et après, ben, pour avoir l'estimation réelle, il va falloir corriger votre première perception avec le règlement. C'est-à-dire, ben, ma plus haute faute, c'est ça, mais à côté, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et là, vous allez commencer à donner votre note, vous allez confirmer votre note en fonction du règlement que vous connaissez. Et puis, pour affiner la chose, vous pouvez avoir ou pas, on n'est pas obligé de l'utiliser, mais... Au final, si tous les juges se disaient waouh, c'est compliqué, au final on l'utilise parce que c'est une bouffée d'oxygène, ça. Hein? Et donc vous pouvez utiliser la pondération pour avoir votre score final. So after c'est toujours comme ça que ça joue. Vous regardez, vous repérez la faute max, tac, vous régulez avec tout ce qui a pu être autour, et puis après, en fonction de votre vécu, de ce que ça dégage, de ce que vous utilisez la pondération, et vous avez votre note finale qui reste une évaluation globale. Il ne s'agit pas de faire la sommation, c'est ça la difficulté, c'est qu'on peut très bien avoir bam 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 bam, mais si on additionne tout, le mec il sera à -20, ça n'existe pas. Okay, so after the sort of perception stage, we have the estimation step, which is essentially with reference to the rules. So we've, as a judge, identified the biggest error, and we go from there to validate against the rules for other errors, like what's happened around. And then in the confirmation stage, we have, although it's not mandatory, the ability to adjust using the plus or minus adjustment value. And that's actually what gets you to the global evaluation of the score, the judging score. It is global, because what he says is, if you're really looking at every single deduction and actually take every single deduction, there are going to be teams who score -20 for a technique. Et après, un point important, c'est à quel moment commence la séquence et à quel moment elle se termine. It's very important to have in mind that particular sequence that we're scoring. When did it actually start and when does it finish? So you can put the score in the right place. Le salut, c'est ça commence aux 8 mètres, ça se termine à la fin de l'ouverture. So, the bow starts at 8 meters,
finishes at the opening. Tout ce qui est déplacement et tout, on est déjà dans la première ligne. All the movement around getting to your spot, that scores for the first technique. Quand on est dans le dans un kata, ça va être, par exemple, pour le kata meno, c'est quand on l'a vu avant-hier, c'est quand on revient en position kyoshi entre deux techniques. C'est pas, ça abandonne, mais il y a contrôle avant, pendant, après. Donc, le après, il est encore là. Vous remettez tout en place, vous revenez position kyoshi, boom. On a clarifié ça. Hein? On a clarifié il y a deux heures. Oui, bien sûr. C'est dans le règlement, ça. It's now in the rules for kata menokata, very, very clearly. It's when one comes back to kyoshi. That's the end of the technique. Dans le kime, dans le koshin et tout, c'est à l'abandon. Top. L'abandon, on passe sur les autres. Donc tout ce qui est repositionnement, tout ce qui est aller chercher les armes et tout ça, ça fait partie déjà de l'autre technique. Whereas in goshin and in kime, the submit, when you submit, that's the end of the technique. So the movement, going to switch out your weapons, etc., that belongs to the next technique in terms of scoring. Bon, maintenant, le déroulé. Déroulé de la séquence. Il n'y a bien sûr pas tout le règlement. Là, c'est plus pour les compétiteurs en disant pourquoi ? Parce que quand vous allez travailler, vous devez avoir ça en tête. Vous devez avoir ça en tête. On va voir donc, qu'est-ce qu'on peut perdre comme point au niveau du salut ? Qu'est-ce qu'on peut perdre comme point au niveau des placements, replacements ? Sur les techniques attendues, que ce soit des ATMI ou des techniques, sur l'attitude, la fluidité, etc. Voilà comment j'ai conçu le PowerPoint aujourd'hui. What can we get the deductions on for the bow and the other things on the left-hand column? Okay, so we're looking at each of the individual things listed on the left-hand column and thinking what kinds of mistakes can we make? Yeah. Donc, sur tout ce qui est salut, vous le savez tous, mais bon, voilà, vous pouvez bien évidemment perdre des points sur un judogi qui n'est pas conforme. Si vous perdez des points, quelqu'un qui viendrait au-dessus, là, c'est pas comme ça. Hein. Normalement, c'est à hauteur de la malléole, etc. Enfin, c'est les mêmes règles, vous le savez, qu'en shiai, de toute façon, au niveau du judogi. La ceinture, c'est pas trop petit, c'est pas trop long, c'est de entre 20 et 30 cm, etc. etc. Le t-shirt, your judogi, your t-shirt, the lengths of your belt, your pants, your sleeves, all of that. Perdez 3 points à l'ouverture et à la fermeture. And then you would lose 3, opening and closing. 3 fois 3. Yeah, so by three judges, vous right? Ils sont 5, vous savez tous qu'on enlève la plus haute et la plus basse note, et après on garde les 3 du milieu. So 5 judges, every single technique, high score, low score come out, so 3 scores stay. If you've lost 3 points on opening per judge, that's 9 points. If you lose 3 points on closing, that's another 9 points. You've just lost 18 points because your belt was too short. Yeah. Ensuite, les fautes de distance. Juste une question. Oui. Donc même si les judogis ont été validés avant la compétition, il y a encore la possibilité de bien sûr. Bah, je te dirais ce qu'on valide surtout avant la compétition, c'est que tu portes un judogi qui est autorisé par la fédération. C'est ça, c'est tout. Okay, so the question was, so even if our judogi has passed judogi check, we can still lose points. And the answer is yes, because the judogi check basically checks for the tag. Is it a certified tag? And, you know, does the tool fit, right? It doesn't validate that it is a proper fitting judogi for the kata rules. Les fautes de distance. Fautes de distance. Vous devez être à 6 mètres, vous devez être à 4 mètres. Enfin, le salut, c'est 8 mètres, c'est 6 mètres, hein, etc. Si jamais, on en a un peu parlé hier, quand on a même à l'échauffement, vous êtes ici, si les gens commencent à saluer en descendant comme ça en arrière, si les deux font ça, on ne salue pas à 6 mètres. Hein, on commence à saluer à 6 mètres 50. So, the distance is always supposed to be a deduction of minus 3. One of the ones we talked about yesterday was if you're doing a kneeling bow, you stand at the line, each of Ukeyotori or even just one of them goes into Seiza and comes far from that line.
there's minus 3. Une faute de pied au cérémonial. On n'en voit pas beaucoup, mais si vous avez commencé à voir les gens qui avancent droite-gauche à la place de gauche-droite, 3 points. Ensuite, les fautes techniques, purement techniques. Hein, des gens qui ont le dos rond, des gens qui n'ont pas les mains bien placées. On a vu hier le positionnement des mains au sol, etc. Toute faute technique, c'est des fautes à 3 points. La synchronisation, ce n'est pas des fautes, ce n'est pas des medium mistakes, c'est des imperfections. Voilà, il faut vraiment que... Là, tu te dis, ouais, ils exagèrent, quoi. Là, ils exagèrent. Unless mais, it's mais quelque really chose bad. Qui n'est pas tout à fait, etc., etc., c'est imperfection. Hein. Et puis, bien évidemment, je le mets en dernier, on ne le voit pas souvent, encore que, championnat du monde à Cancun, le couple mexicain Juno, ils inversent. Donc, si jamais vous avez inversé la position Toriyuki, 10 points. Alors, pas seulement 10 points, parce que là, elles ont continué le kata, mais globalement, les athlètes, ils saluent, ils sortent. Hein, parce que la finale, c'est pas possible. On va diviser par deux, et s'ils ne régulent pas derrière, il y aura une grosse faute à chaque technique. D'accord ? So the last one is, we don't see very often, but it actually happened at the World Championships in Cancun, where Mexican team in Juno, they started the entire kata on the wrong side, and they continued the whole kata. Le pire, c'est le coach qui leur a demandé de switcher. Yeah, and apparently it's the coach that told them where to be. So there was no understanding. Bad coach. Yeah, bad coach. Bon. He says if it happens, usually if it actually happens in a kata competition, the team just like realizes and then just stops and heads off because they know they're done, right? You've lost 10 and half of your score for everything else. J'accélère un peu. Alors, au niveau des positionnements et des repositionnements, on en a parlé hier dans le Nageno Kata. Hein, toute faute de positionnement sur le tapis, c'est une faute moyenne. Ouais. Si vous devez être ici et que vous mettez là, c'est une faute moyenne. Vous devez être au bon endroit, au bon moment. Ensuite, toute faute de... là, c'est la position Toriyuki, c'est derrière l'inversion. Les laisser parce que le règlement le laisse. Et puis après, en fait, on a deux types de repositionnement. C'est le repositionnement sur le tapis et après, on l'a dit hier, c'est les fautes de distance Toriyuki. Ça dépend de la morphologie. Tout ça, c'est des fautes à 3 points. Les fautes de distance, c'est toujours des fautes à 3 points. C'est du pain béni pour les juges, ça. Parce que c'est facile à voir. Facile à voir. Et retenez, on l'a dit hier, que la bonne distance permet toujours la bonne attaque. C'est pour ça que c'est important. Parce que autrement, le rapport à la distance en judo, si vous n'avez pas la bonne distance, ben déjà le déroulé de la séquence, il ne peut pas être tout à fait correct. That slide pretty much said everything that André said. So unless there are questions, we'll move to the next slide. Ok. Maintenant, une fois qu'on a le salut, qu'on est bien positionné sur le tapis, il va y avoir la technique attendue. Ah ben, pardon. Dans les positionnements, ben ça j'y reviens pas, c'est ce qu'on a vu hier, hein, dans le Nageno. Donc le salut, on est à 8-10 mètres, le salut du Joseki est à 6 mètres. Ensuite on est dans les 4 mètres, rappelez-vous qu'on est toujours, on se rhabille tout à l'extérieur des 4 mètres, d'accord. Et puis après, ben, vous avez le positionnement dans le Nageno, c'est 3 quarts, 1 quart ou 2 tiers, 1 tiers. Sauf pour les techniques centrées, on est au centre, aux alentours de 1m80 et puis autrement on est à 60, d'accord. Tomoe Nage, on l'a vu hier, on est du côté dans le camp de Kiki, d'accord. I'm in Danielle's way. I won't go through all that, but and the PowerPoint is going to be available afterwards for people to see, but André has put a table together with the distances that we will see. On en a parlé hier. And we did speak about them, yeah. On sera mis à l'extérieur des 4 mètres, toujours. Yeah. L'extérieur. Hein. Outside the 4 meters, right? For your on l'a dit hier aussi, c'est de l'ordre de 60, 30 Ochuri Ashibarai, 90 Umigeishi Ukiwaza, et de l'ordre de 1,80, avec toutes les réserves qu'on a émises hier, pour les petits gabarits qui peuvent être bien sûr beaucoup plus proches. C'est la bonne distance permet la bonne attaque. Là, je vais aller vite. Sur le katameno, c'est la position Thomas Shikama, on l'a évoqué également en stage.
sur le qui met, c'est de l'ordre de deux points. En fait, en fonction des, on va le voir ce matin avec ceux qui font qui met, en fonction des gabarits, c'est pas forcément que de deux. Hein. Ce qu'il faut, c'est que ça soit adapté à la morphologie. Si vous êtes très très grand, puis que vous devez aller taper au plexus avec la plante du pied, vous voyez bien que on est grand, on peut être au-delà. C'est pas ça qui est important. Le juge, ce qu'il regarde, c'est en fait le différentiel, le delta qu'il y a entre les techniques without, weapon ou with weapon. C'est-à-dire qu'avec les armes, on doit voir le delta, et c'est la même distance, mais avec la longueur de l'arme en plus. La lame en plus. C'est ça qu'on regarde en fait. So, in terms of distances in kimi no kata, remember the word about, approximately, I translate all those to ish. It has to make sense for the body types. So when we talk about two fists of difference, of length, for example, yes, the fists are going to be different. However, two fists for like Wes is not going to be long enough to bend his knee and come up for a kip, right? He needs more than two fists. Okay. Pour le Juno, de toute façon, on travaillera avec les athlètes, vous connaissez tout ça, il y a des distances bien particulières. Faites attention au règlement, parce que des fois, quand on dit deux pas, c'est pas vraiment deux pas, hein, parce que c'est deux fois un, ça ne fait pas deux en Japon, ça fait 1,7. Yeah, so the distances in Juno kata, c'est approximatif. Là encore, le juge doit apprécier le différentiel. The judges have to understand the differential. The important thing is. On l'avait vu l'année dernière sur tout ce qui est Orochi, Kiri Orochi, etc. Il faut, faut pas attaquer avec un bras comme ça. Faut pas que l'attaque soit derrière. Il faut que vous ayez une distance qui correspond à l'attaque. The attack has to make sense, right? It has to correspond to what you're actually trying to show. So the 2 meters for somebody might have them way too far or way too close. When you get to the actual technique that you're demonstrating. Regarde le Neoshi. About half a step slightly downward doesn't make sense. Ça ne veut pas être un demi-pas plus petit, c'est un pas plus petit. So that will be changed in the 2024 rules. It's about one step slightly narrower. Because to have a narrow half a step, it's almost no step. Et, de toute façon, le juge a cette perception-là. Mais bon, vous, athlète, il ne faut pas être non plus. Yeah, so don't get hung up on the exact. On est encore, faut donner du sens à la pratique. Voilà. We have to make, it has to be sensible, it has to be logical. Pour le Goshin, c'est assez simple. Les armes, c'est à l'extérieur, vous savez. À l'intérieur, pardon, vous savez. Et après, c'est la bonne distance permet l'attaque et les trois quarts des attaques doivent être au centre. Hein? Goshin's actually simpler, because those are your rules, and really the right distance allows the right attack. Et on se repositionne entre chaque à 4 mètres à l'extérieur des 4 mètres. And we reposition after each attack outside the 4 meters. Bien. Maintenant, les techniques attendues. Premièrement, les atémies. Hein? C'est-à-dire que globalement, j'ai bien salué. Hein? Je suis dans le déroulement de la séquence. J'ai bien salué, je suis au bon endroit, j'arrive, la distance est bonne, etc. C'est un atémie. Premièrement, bah, l'atémie, vous pouvez avoir un blanc. Ce qu'on appelle un blanc, c'est une perte de mémoire. Vous ne savez plus ce qu'il y a à faire. Là, c'est vous perdez 10 points. On divise par deux, etc. Maintenant, si jamais vous n'avez pas une perte de mémoire, mais que vous avez une hésitation, c'est une big mistake. Vous perdez 5 points. Si vous intervertissez deux techniques, hein, mettons, on est dans le kimono, Tsuki et Suriyagi, vous les inversez, bon, ben là, vous inversez, bon, technique, c'est pas ce qui est attendu. La technique n'est pas attendue, donc ça, c'est on perd 10 points. Après, pour les atémies, en fait, le gros du truc, c'est ici. L'atémie n'est pas ciblée. Ça, c'est toujours 3 points. Quelles sont, quand vous travaillez, les raisons d'un atémie non ciblé? Premièrement, une erreur de distance. Distance error. Deuxièmement, la distance peut être bonne, mais le point d'impact n'est pas bon. Vous devez taper en uto, vous tapez au menton. Si c'est marqué uto, c'est que vous n'avez pas réglé la hauteur, vous n'êtes pas ciblé. Ça, c'est 3 points. Maintenant, la distance peut être bonne. Le point d'impact pour Uke, il peut être bien travaillé, mais vous pouvez
pouvez ne pas avoir, enfin voir plus exactement une faute d'atterminant ciblé par anticipation de l'esquive. Ça, on en a parlé par exemple hier dans le Nageno. Si vous partez trop tôt, eh bien, c'est de l'anticipation. Toute faute d'anticipation d'ailleurs, quel que soit le déroulé de la séquence, c'est 3 points. So, most of the Atemi errors are in that block, okay? The Atemi non-targeted. And they are, in terms of the reasons, one of those. Yesterday in Nagino Kata, we talked about anticipation, which is a bit different in Nagino Kata. So, if Uke anticipates, then Tori doesn't get the right body position, etc. for the throw, and in any event, you're losing 3 points. Ça, c'est quand même le gros boulot, par exemple, du Goshin. And Goshin, lots and Goshin, lots. Goshin, mauvais coup d'avant ou derrière. Oui, bien sûr. Lots is happening in Goshin Jutsu, in that area. Dans les Atemi, Uke, il y a quand même cette sincérité-là. Il doit attaquer parce que, logiquement, dans la conception, il attaque pour détruire Uke, quel que soit le kata, il attaque pour détruire. Donc lui, ça doit être sincère, on y va fort, on y va fort. Si Tori fait bien son esquive, Tori, lui, doit maîtriser son Atemi. Donc après, on peut avoir des fautes si on touche le partenaire. Uke n'a pas ça en tête. Lui, toucher, il veut toucher. Logiquement, si on veut que ça soit sincère, il veut toucher. Mais Tori, derrière son esquive, deux cas de figure. Soit il touche en causant une blessure, c'est 5 points. Soit il touche sans blessure, c'est 3 points. D'accord ? Ensuite, on a les absences de Kiai. S'il doit y avoir Kiai et qu'il n'y a pas de Kiai, c'est 3 points. Et puis, bon, sincérité, je viens de le dire, c'est 3 points. Maintenant, sur la technique. C'est plus anatomie, c'est une technique. La technique, bon, si on n'y revient pas, c'est la même chose. Un blanc, 10 points. Une hésitation, 5 points. Des techniques inversées, ailleurs, 10 points aussi. The big deductions are going to be the même same. Chose, Maintenant, le principe n'est pas respecté. Ça, c'est une faute à 5 points. On l'a vu hier sur un possible Okuri. Moi, je voyais limite des Hashibarai ou un Ko quelque chose. C'était pas Okuri Hashibarai. Le principe n'était pas le bon. Dans le Nageno toujours, exemple très simple, vous voyez Ogoshi à la place du Kigoshi, principe non respecté. Vous voyez Ashikoguma à la place de Balayage de hanche, principe non respecté, d'accord? Yeah. Examples in Nageno Kata, like the classic one, is throwing Ogoshi instead of Ukigoshi, often in Okuri. On a discuté. We talked about Okuri looking like the Ashi, where only one foot was actually in. On a discuté dans le Katameno avec toutes les réserves qui s'imposent sur Udeyami, est-ce que je travaille sur l'épaule ou est-ce que je travaille sur le coude? Ça, c'est une faute de principe potentiel, d'accord? Udeyami, turning it into a shoulder lock rather than the elbow. Dans la technique, inefficacité d'un contrôle. Parce qu'on n'est pas forcément que dans Nageno. Inefficacité d'un contrôle, c'est 3 points. Katameno, hier, il a dit si c'est mal tenu le contrôle initial, vous dites, ben, le contrôle n'est pas bon, hop, c'est 3 points. Ensuite, il manque un des éléments du principe. Kuzushi, essentiellement, pour ça que je l'ai mis en gras, Kuzushi, Tsukuri Kake, tout ça c'est 3 points. Toutes les fautes de déséquilibre qui manquent, c'est 3 points. Il faut qu'il n'y a pas de judo sans déséquilibre. Oftentimes, when there's an element of the principles missing, it is Kuzushi. That is the most common, and it is 3 points deduction on each technique. La projection, l'axe de la projection n'est pas bon, 3 points. Dans Araigoshi, on l'a vu hier, le gars il va tomber ici, il ne va pas tomber là. Dans Kataguma, il va tomber ici, il ne va pas tomber dans l'axe, etc., etc. So those are two examples in Nagino Kata of where the, Kiwaza, mettons, on doit faire chuter dans l'angle, on ne fait pas chuter à 90 par rapport à l'axe du kata, etc., etc. The direction of the throw is going to be a 3 deduction if you're on the axis instead of slightly diagonal, or slightly diagonal instead of on the axis. Toute faute de contrôle, yeah. Perdre le contrôle, ça c'est 5 points. Vous faites le judo, dans les rotations, vous lâchez la main, pof, ça c'est une faute de perte de contrôle, 5 points. In
Junokata, an example of loss of control is as you're... Vous faites dans le kimé, des fois ça arrive dans le kimé, le gars il est là, hop, as là je reprends. As you're moving your hands about, you actually lose contact between your hand and the elbow, for example, of your partner. En Agedo, on dit souvent, Okuri, Ashibara, il touche, hop, ça nous échappe. 5, tout ça c'est 5. Okuri, sometimes you're like, just drop the partner. On a toujours sincérité, efficacité, 3 points. Ça on peut le mettre à toutes les sauces. À utiliser avec parcimonie pour les, par les juges. Parce qu'en fonction de ce qu'on ressent, des fois, on pourrait dire « Ah, c'est pas sincère », puis à chaque fois, on fait du coloriage. Hein. Donc, the last one, the judges do have to have, you know, some reasonable... Il ne faut pas oublier que c'est une évaluation globale. Hein. We have to remember that we're talking about global evaluation. We can't go nuts and color in. Toujours des petites précisions, c'est que dans le Nageno, une technique qui n'est faite qu'une fois, c'est 10 points. C'est une technique oubliée. Dans les techniques. Maintenant, une technique qui est faite deux fois du même côté, ou si on inverse les côtés, c'est grosse faute. Sur le katameno, on en a parlé, quand il n'y a que deux défenses à la place de trois, c'est une faute moyenne. D'où l'intérêt, rappelez-vous, du rythme. Je le fais très très fort, je monte, de façon à ce qu'on voit ce changement de direction et cette accélération. Donc c'est très fort, c'est rapide, et c'est encore plus fort. Parce que si jamais j'abandonne tout de suite, c'est la mort. Donc il faut que j'essaye de sortir. On est bien d'accord. So yesterday, Professor Kato, we talked about with the three attempted escapes. Our approach for everyone should be strength for the first, rapidity for the second, and lots of strength for the third. There's a rhythm that helps us to make sure we are demonstrating three. Ça revient à la même chose, mais un manque de défense, c'est 3 points. On aurait pu le mettre également dans le Nageno, on l'a vu hier. Hein? Hier, les gens, ils attaquent là sur Seoi. S'ils font pas la défense, c'est 3 points. Lack of defense can be a, we could s'ils font pas la défense sur Uranage, on a vu la difficulté de la démontrer, c'est potentiellement, vous voyez bien, je suis dans la nuance, hein? Rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est gris. So in Nagano Kata, for example, if you're missing that defense part, such as Seoi, you know, you didn't try to defend, then minus 3. Et puis toutes les techniques où il y a des armes, bien sûr, ben, un maniement impropre d'armes, c'est enfin, un mauvais maniement d'armes, c'est 3 points. Et puis tout ce qui est perte d'armes, c'est une grosse faute. D'accord? Ensuite, sur l'attitude. Les attitudes de Uke sur le déplacement, entre l'attitude désinvolte, quelqu'un qui y va, enfin vous voyez bien, on peut avoir en fonction de ce qu'on voit entre une imperfection et une faute moyenne. Quelqu'un qui marche, hein, il marche vraiment, ça glisse pas, enfin bref. Tout ce qui est anticipation, on l'a dit, c'est 3 points. Tout ce qui est perte d'équilibre dans l'exécution, ça peut aller de moyen à grand. C'est-à-dire que vous avez un simple déséquilibre, ça va. Vous avez un déséquilibre sur Uchimata dans la lumière, vous posez la main pour vous récupérer. Si vous ne posiez pas cette main-là, vous auriez une perte de contrôle totale. Donc là, on est plutôt sur des big mistakes. Example in Nagano Kata, the loss of balance would be, for example, you throw Uchimata, you have a slight balance check. That would be a minus, you know, that would be a smaller score. But if your balance check means you have to put your hand down so you don't fall or you don't lose your partner, then it would be a minus 5. Quand on est uqué, toute attitude soumise, on l'a dit hier, en fonction, hein, c'est le petit à moyen. On va voir. Les manques de défense, on l'a dit déjà, hein, c'est une faute à 3 points. L'anticipation, comme pour Tori d'ailleurs, c'est une faute à 3 points. Tout ce qui est jump, ce qui est, on donne l'impulsion pour chuter, c'est 3 points. Maintenant, Tori Uke, pour les gens qui vont avancer le mauvais pied, etc., 3 points, hein, en avançant ou en reculant. Les gens qui ont des... qui hésite, qui avance, qui recule, qui, ben c'est pas facile, on en a reparlé avec Daniel, mais c'est plutôt forgotten technique, hein, c'est-à-dire qu'on est un peu perdu, on a oublié le truc, et puis tout ce qui est contraire à l'esprit du judo, bien sûr, est pénalisé de 10 points. Ça, c'est surtout, je pense pas qu'on ait ça à l'entrée, parce qu'à l'entrée, on y croit encore, je pense pas qu'on ait ça pendant le kata, ou alors c'est qu'on n'aime pas son partenaire, on a envie de lui mettre un pain au milieu. Voilà, mais ça peut être d'être déçu de soi-même, et quand on sort, on jette la veste, ou quelqu'un vous dit quelque chose, tu vas te faire foutre, toi, m'emmerde pas, enfin, tout va bien, ça c'est le contraire, donc c'est plutôt quelque chose qu'on serait amené, j'espère, on
ne sera jamais, jamais amené à voir, mais qu'on serait plutôt amené à voir en fin de kata sur la sortie. So mais le gars peut être sorti des 8 mètres, des 10 mètres, et que ça compte encore, un chef. Tant qu'il n'a pas quitté le tatami, enfin, on peut aller là-dessus. So that last minus 10 would not be at the beginning or during the, in the middle of the kata. We would likely see it at the end. Someone is unhappy with their performance and they, you know, pull off their belt and they throw it, or there might be some swearing. But even if you've left the actual tatami surface, you can still get that penalty. Quelqu'un qui fait ça, c'est qu'il n'a pas un bon coach. Yeah, it's because the coach is poor, right? If you do that, it's a bad coach. Quand les gens vont chuchoter. Ah, s'ils se soufflent et tout. Je vous dis, j'ai pas tout mis. S'ils chuchotent, s'ils se soufflent, technique oubliée. C'est que le gars, c'est comme si il ouvre là, il y a les pompes. Et puis la fluidité, on peut la mettre partout. La fluidité, c'est ces trois points. Mais moi, je l'ai mis essentiellement, bon, c'est 1 à 3, ça dépend. Bon, c'est plutôt 3, c'est pour ça que je l'ai mis en gras. Mais c'est le maître mot du judo, c'est la fluidité. Donc s'il n'y a pas de fluidité, là, on peut taper des notes à 3, mais on pourrait la mettre à toutes les sauces, la fluidité. Hein. Fluidity can count everywhere, but... The reason why you put the... Et voilà, Albert aurait pu nous dire ça. C'est que voilà, la connaissance vient avec l'expérience. Hein. Tout le reste, c'est de la formation. Donc les amis, je vous remercie. Et maintenant, on va pratiquer. So apparently, Albert Einstein gave him permission to put in a judo. Donc, si vous avez des questions, vous avez des questions? Any questions? Non? Alors... Comme vous l'a dit, et t'as vu, je suis dans les temps, hein, chef. Oh, super. Dans les temps, hein. T'as cru que j'allais dépasser. Bon. He's very proud of himself because he's taking the time allotted. Donc, ça vous a été présenté.